Le cinéma, c'est avant tout un jeu avec des personnages et des acteurs. Un jeu intime qui doit se créer entre un metteur en scène et ses interprètes afin de mettre en place l'immersion qui fera le caractère d'un film. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui est avant tout motivé par les actions de ses personnages et leurs impacts sur le monde qui les entoure. David Russell est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 28 ans. Auteur comique de grand renom dans son pays natal, il mettra beaucoup de temps à réussir à exporter son cinéma, malgré les stars qui se bousculent pour tourner avec lui, et apportera beaucoup à une forme de comédie humaine dans le cinéma américain classique comme on le connaît. O. Russell est un de ces auteurs qui comprend l'être humain dans une forme de statut crétin ou simple d'esprit, obstiné par peu de choses et cherchant avant tout à laisser une trace dans le monde. Très inspiré par les frères Cohen, son cinéma cherche à retranscrire l'aventure d'un homme confronté à un monde qu'il ne comprend pas ou qu'il ne saisit pas. C'est cela qui transcende le cinéma de O. Russell, un regard décalé sur le monde qui nous entoure en se basant souvent, ou presque, sur des faits réels, donnant ainsi un impact émotionnel durable à ses longs métrages. On ressent un besoin d'identification qui est général dans le cinéma de David O. Russell, comme une forme de ressenti primaire qui permet à ses personnages d'être des portraits universels de nos caractères les plus viscéraux. O. Russell entretient également un rapport particulier avec la vie, dans son sens évolutif, car au fil de sa filmographie, ses personnages deviennent de plus en plus âgés, comme s'il devait garder tellement les pieds sur terre pour faire ressortir son humour qu'il ressentait le besoin de rester proche de ses personnages lui aussi. C'est là que O. Russell est à part. Contrairement à beaucoup de réalisateurs, il semble vouloir lui-même s'attacher en premier à ses personnages pour faire en sorte que le spectateur ensuite puisse lui aussi s'attacher à ses héros, repoussant ainsi encore plus loin l'immersion du spectateur dans un retranchement presque introspectif où le réalisateur doit lui-même d'abord comprendre et aimer ses héros avant de leur donner la vie à l'écran. Le rapport qu'entretiennent les personnages entre eux est également important au cœur des films de O. Russell, puisque c'est par le biais de cela qu'il va construire sa mise en scène et sa construction scénographique. En fonction de la situation des personnages ou de la manière avec laquelle il voit le monde, celui-ci crée des concepts de scénographie qui collent avec un rythme ou une dynamique. O. Russell donne ainsi une dimension qui va bien plus loin que le stade du film humaniste. Il crée des films humains, des films qui créent eux-mêmes leurs propres émotions, faisant ainsi en sorte que le spectateur s'accroche à celle-ci pour comprendre le récit. La mise en scène devient alors un objet de création émotionnelle fort, qui permet aux personnages de O. Russell de devenir les éléments comiques d'un récit juste et finalement à hauteur d'homme. Rentrer dans la filmographie de David O. Russell, c'est regarder le monde du point de vue du rapport entre les hommes et les femmes, de voir qu'une société se construit avant tout autour d'une rencontre plutôt que d'une réflexion. Humanisant à la merveille le cinéma, il parvient à lui donner un sens comique et humaniste puissant qui dépasse les cultures et surtout les générations.